À l'approche de la fermeture du mercato estival, la shortlist, désormais bien allongée, du Barça ne cesse de grandir. Après Malogusto, Achraf Hakimi, Thomas Meunier ou encore, comme nous vous l'annoncions, Amari Traoré. C'est désormais au tour de Youssef Attal d'être lié au club catalan. Comme confirmé par Sport, le latéral droit de l'OGC Nice correspondrait parfaitement aux attentes du FC Barcelone quant au profil de joueur recherché. À 26 ans, l'international algérien est dans la force de l'âge et, malgré de nombreux pépins physiques, démontre des qualités certaines aux yeux de Xavi. Des discussions auraient d'ailleurs même été déjà entamées entre les deux clubs pour un possible transfert. Hector Bellerin, Juan Foyt et Vanderson font également partie de la liste des joueurs auxquels s'intéressent les Blaugrana. Alors que le mercato estival refermera bientôt ses portes, nombreux sont les clubs à s'activer sur le marché. Dans cette optique, la Juventus Turin devrait rapidement mettre la main sur Memphis Depay et réaliser un gros coup. Pouvant déjà se targuer du retour de Paul Pogba cet été, le club du Piémont est, en effet, tout proche de s'offrir l'ancien Lyonnais, un temps annoncé du côté de Tottenham. D'après les dernières informations du quotidien catalan Sport, la Juve souhaiterait même annoncer dès ce dimanche l'arrivée de l'attaquant barcelonais. Les avocats du joueur seraient en train d'étudier les conditions de sa résiliation de contrat au Barça. A noter par ailleurs que le Néerlandais est d'ores et déjà d'accord avec Turin. Et dès l'annonce, il pourrait s'envoler pour l'Italie, pour être intégré le plus rapidement possible aux entraînements.